vous allez bien? Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera un haul action. Donc je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a actuellement, bien qu'il y a quand même 2-3 produits que j'ai quand même pas trouvé en magasin. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, je vous présente quand même ce que j'ai acheté. Donc il y a plusieurs produits. Donc en premier lieu, je vais vous présenter donc les nouvelles couleurs des feutres de chez Action, les feutres à alcool. Il y en a 6 en tout, mais je n'en ai trouvé que 5. Alors donc il y a dans les teintes vertes. Alors, je vous donne les numéros pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc il y a le 163, 173, 175. Donc c'est toujours avec la pointe fine et la pointe biseau, donc toujours les mêmes. Donc ça c'est toujours à 99 centimes, ils n'ont pas augmenté leur tarif. Donc ensuite vous avez dans les teintes bleues et grises. Alors je vous donne les numéros, donc 62 CG5 et 76. Voilà, donc c'est toujours en lot de 3. Vous avez ensuite donc dans les teintes jaune et orangé. Donc je vous donne également le numéro. Donc vous avez 34, 32, 37. Voilà. Et vous avez donc la quatrième. Alors donc dans les teintes, on va dire couleur un petit peu rosée. Couleur beige et couleur marron. Donc vous avez le numéro 99 29 109. Voilà, donc bah, c'est les classiques, hein, c'est celle de base. Par contre, il me semble que c'est des étuis. Attendez, je vais quand même regarder parce que comme je vous avais parlé dans une précédente vidéo, et donc c'est bien les étuis qui sont couleur mat. Et non brillant. Vous avez donc le cinquième qui est donc dans les teintes roses. À mon avis, il doit encore avoir dans les teintes violettes, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Donc 136, 27, 137. Voilà. Donc ça, c'est pour les feutres de chez Action. Pour les feutres à alcool, ils vont très très bien. Donc moi, j'en suis vraiment satisfaite. Donc j'ai voulu quand même continuer à prendre les coloris parce que bon, je voudrais les avoir tous pour pouvoir faire des petites, comment je pourrais dire ça, donc pour pouvoir avoir un panel de couleurs. Donc ça peut être pas mal quand on fait du coloriage ou autre. Alors ensuite, vous avez donc toujours dans tout ce qui est peinture, coloriage. Donc j'ai trouvé un petit bloc, donc comme celui-ci. Donc c'est les nouveaux blocs de chez Action. Attendez, je vais voir si je peux vous l'ouvrir. Alors, donc ça, c'était au prix de 96 centimes. Hop, voilà. Donc, je pense que ça doit être sur du papier aquarelle. Et vous avez donc, en petite palette, donc la peinture pour pouvoir faire votre peinture, votre coloriage. Alors, donc ça se présente comme ça. Donc, vous avez en tout... Alors, je ne sais pas s'il est noté... Alors, vous avez 6 couleurs, voyez. Donc là, vous avez la palette de peinture, d'aquarelle. Est-ce que c'est noté? Oh là, c'est vraiment écrit en... On va dire en petit, mais c'est vraiment pas trop lisible. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est noté devant. Non. Donc, vous voyez, il est écrit avec peinture, donc avec peinture. Donc, vous avez... Alors... Donc, pour le premier, vous voyez, donc là, vous avez toutes les peintures, en fait. Donc, c'est les palettes de peintures que vous pouvez utiliser pour votre petit dessin. Vous avez le petit pinceau. Donc, c'est vraiment prêt à l'emploi, on va dire. Il ne manque plus que l'eau. Et vous avez donc le petit dessin. Donc, apparemment, c'est pas sur du papier aquarelle. Ça doit être un papier spécial. Bon, j'espère qu'il ne va pas gondoler. Je vous ferai donc un petit test si vous le souhaitez. Et vous avez donc le dessin et vous avez la palette. Donc voilà, bah, c'est comme des petits dessins. Voilà. Bon. Alors, celui-ci, on ne le voit pas trop. C'est pas... Et vous voyez, donc c'est pour faire des petites cartes. Donc, ça peut être sympa pour les préparer pour les grandes vacances, si vous partez en vacances. Par contre, il y en a deux. On voit... Ah, il y a des papillons.
On ne voit pas très très bien. Alors pour les gourmands et les gourmandes, il y a des deux noces. Ensuite, bon, ça reprend un petit peu les dessins. Celui-ci, je le connais, je l'ai fait. Donc des blocs de coloriage. Alors, il y a un joli vélo. Par contre, les traits ne sont pas très prononcés pour certains. Home Sweet Home. Pourquoi les dessins sont quand même assez jolis. J'aime bien. Bon, apparemment, il y a quand même le choix pour faire donc le coloriage. Celui-ci, il est beau, mais j'aime pas trop la tête. J'aurais dû mettre plutôt hein, une tête de biche ou autre. Ou... le petit lapin. Bon, là, vous n'avez pas tellement grand-chose à coloriser. Bon, à part peut-être la lune et le moon. Après, peut-être pour faire un fond. Je ne sais pas. Bon, je vous ferai un petit test pour voir le papier, comment il réagit avec l'aquarelle et l'eau. On dirait que c'est le même que vous avez au début. Alors, je ne sais pas. Non, c'est pas le même. C'est dans le même style, mais c'est pas le même. Vous voyez, donc là, vous avez vraiment le dessin qui est vraiment prononcé. Et vous avez l'autre qui est à moitié... si je le retrouve, ça serait bien. Voilà, donc vous voyez, les traits ne sont pas du tout pareils. Celui-ci, il est plus foncé que l'autre. Après, vous avez un gâteau d'anniversaire avec une petite bougie, des petites fleurs. Vous avez une jolie couronne florale. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de dessins. Bon, je n'ai pas compté, mais il y en a quand même, il doit en avoir plus que 10. Ça, c'est embêtant. Hop, repositionnez bien le pinceau. Ça a tendance à partir un petit peu de travers. Alors, toujours dans le coloriage, je me suis pris... Donc, apparemment, ça, c'est nouveau. Donc, c'est 1,99€. Bonjour, on se voit dans la caméra. Vous avez donc le petit album de coloriage qui se présente comme ça dans le plastique. Et vous avez donc les 10... crayon de couleur qui se présente dans un petit étui en métal. Donc ça, c'est sympa. J'ai trouvé que les couleurs étaient quand même assez vives. Elles sont quand même assez jolies. Je vous ferai également un petit test si vous le souhaitez pour voir la couleur des petits crayons. Et je vous montre comme ça donc les petits dessins à coloriser. Bon, c'est dommage qu'ils ont mis quand même des fonds de couleur. Hein. C'est pas trop couleur flashy, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Mais bon, pour les vacances, pour se changer les idées, ça peut être pas mal. Voilà. Moi, je suis plutôt dessin vraiment simple, standard. Vous voyez, comme ça, en fait, pas de fond. Maintenant, il faut voir, il faut essayer, il faut voir le rendu. Voilà. Donc, maintenant, nous allons regarder donc également encore une petite nouveauté. Donc, ça, je l'ai trouvé aussi dans le rayon loisirs créatifs. Tout ce que je vais vous montrer est dans le rayon loisirs créatifs. Alors, ce sont des petites lettres en bois. Voilà. Donc, par contre, je l'ai ouvert... tout à l'heure, au niveau de l'odeur, c'est un petit peu particulier. Hein. Ça sent quand même assez fort la colle. À mon avis, ça doit être du bois recomposé. Alors ça, je l'ai pris pour faire un album tout qu'est-ce qui est nature. Vous voyez, comme mon petit album de fleurs, ça aurait été idéal. Donc bon, après, je peux très bien rajouter quelque chose sur la couverture. C'est pas gênant. Donc ça, je l'ai payé, si je me rappelle bien, 1,89€. Voilà, donc vous avez différentes lettres et vous avez donc 200 pièces. Donc vous avez quand même de quoi faire des titres pour vos albums ou vos créations ou vos cartes. Et vous avez également, donc là on va attaquer les nouveautés donc pour les stickers. Donc vous avez les lettres comme cela. Donc alors il y avait plusieurs coloris, moi j'ai préféré prendre celle-ci parce que bon il y avait du rose holographique il me semble, du bleu. Donc, j'étais pas trop couleur aussi or. Donc, j'ai préféré prendre celle-ci. C'est des thèmes qui sont un petit peu plus classiques, on va dire. Et vous avez 23 pièces. Et celui-ci, il m'est revenu à 84 centimes. Donc, ensuite, vous avez
Alors, pour cela, donc, les nouveaux stickers, donc, toujours de chez Action. Donc, vous avez ça. Donc, j'en ai trouvé trois planches. Oui, trois planches. Et donc, ça, je l'ai payé 74 centimes. Voilà, donc il y a des petits cœurs, il y a des petits mots. C'est quand même assez sympa pour faire les albums ou les cartes, comme vous voulez, pour les créations créatives. Et vous avez la deuxième, avec des petits cœurs, toujours, vous voyez. Donc ça, j'aime bien. Bon, c'est encore en anglais, je suis désolée. Ils ne sont pas décidés à faire décidément des planches de stickers en français. Et vous avez la dernière. Voilà, donc des petits cœurs, un petit arbre. Donc là, vous avez donc un petit peu de toile de jute, ce qui est pas mal. Ça ressort un petit peu le stickers, j'aime bien. Voilà, donc c'est la marque Obiflora. Donc c'est apparemment une nouvelle marque qu'Action travaille avec. Donc voilà. Mais écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit haul. Dites-moi qu'est-ce que vous préférez dans ce haul de chez Action. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très bon samedi. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.